morceau qu'on a joué en duo avec David, ça s'appelle Un pêche rêve, qui a été notisé par un compositeur albanais qui s'appelle Fran Ondoja en 1915, dans le nord de l'Albanie, dans une ville qui s'appelle Shkodër, une ville très importante jadis pour les Balkans, avec un bazar impressionnant. Et cette musique, moi, je l'ai trouvée en fait dans les textes de musicologie, et donc j'ai voulu le jouer un peu à ma façon, mais en fait la forme, c'est ça, c'est une forme. Hein. C'est aussi un mot qui vient du persan, le mot pichlo, qui veut dire, si je ne me trompe pas, ce qui vient avant, l'ouverture, le prélude en français. Et petit à petit, en fait, c'est dans la musique ottomane qu'on a trouvé cette forme, par le mot pêchref, du pichlo, ceux qui ont entendu les magnifiques pêcherefs de Dimitri Cantemir. Ils ont déjà écouté. Alors, c'est intéressant de savoir que jusqu'en Albanie, cette forme musicale a été connue jadis dans le répertoire urbain. Ce répertoire, il s'intitule Aheng. Le mot, en tout cas, c'est un mot aussi persan, Aheng. En Albanie, ce mot, il a pris un double sens. Et je pense que, en essayant de parler moi pour la suite, ce mot, en fait, il résume brièvement et de façon magistrale le tout. Parce que c'est à la fois un mot qui désigne la musique, la gamme musicale, le chant, l'air, l'harmonie. Et aussi et surtout le plaisir par la musique, le fait que la musique est un partage. Donc c'est un mot qui est à la fois sujet-objet. Et ce mot-là, il existe toujours en Albanie. Il a pris un peu ces dernières années une connotation, on va dire moins noble. Mais dans le temps, surtout au 18e, 19e siècle, c'était vraiment le seul mot pour désigner la musique urbaine. Musique qui est née dans les villes, Shkodër, le bassin, principalement Pera, Tirana aussi. Et qui est un peu, quelque part, disparu. Disparu en tout cas avec l'esprit de l'époque, quand les bazars ont été détruits. Ça, c'est une histoire aussi de famille, parce que mes ancêtres étaient artisans dans le bazar de Tirana. Et malheureusement, je trouve qu'une des choses les plus terribles qui s'est passée en Albanie, on parle beaucoup de la période communiste, mais je pense qu'une des choses les plus terribles, ça a été la destruction du monde de vie, très écologique d'ailleurs, de l'écosystème des bazars, qui était à la fois l'identité de notre pays. Et aussi une façon de vivre, une façon de partage, d'apprendre, d'échanger, de refaire le monde, parce que les bazars, on les appelle souvent, on les appelait Tchachia, aussi un nom issu de persan. En fait, c'est le lieu où on se rencontre avec les quatre points cardinaux. Voilà, donc cette musique est là, telle que je l'ai rêvée, et on peut étudier là le parfum de cette époque-là. Un premier chant cette fois-ci qui s'intitule En albanais, Chakran Sutemi Chichai, un chant de Shkodra. En français, c'est « Pourquoi mes yeux pleurent-ils ? » Il est intéressant de savoir que le début du Ahen, du répertoire albanais, commençait souvent par ce chant-là, qui en réalité est un chant d'exil. Et c'est aussi bien l'exil du corps que l'exil de l'âme. Et en cela, je ne peux pas résister à faire le rapprochement avec l'œuvre de Rumi, le Matnaoui. On est tout à fait dans le même symbolique. Il s'agit de l'âme, en fait, qui est exilée sur cette terre. Elle est amoureuse de son origine, n'aspirant qu'à retourner sa patrie originelle, en quête de son aimé originel.